trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyriaque Dayan est avec nous, gérant diversifié chez Sanso IS. Bonsoir Cyriaque. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Olivier de Béranger de nous accompagner également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général de la financière de l'Échiquier et Pierre-Alexis Dumont à nos côtés également. Bonsoir Pierre-Alexis. Vous êtes directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir Grégoire. Bah, Pierre-Alexis, et si la Fed ne baissait pas ses taux ? C'est la question. Alors, c'est un peu le what if scénario qui monte aujourd'hui après un call un peu spectaculaire, il faut le dire, du chef économiste d'Apollo Global Management, hein, qui est une firme de private equity. On est côté buy side. C'est pas un broker qui fait ce call pour épater la galerie. Thorsten Slock, partant de l'idée que l'économie américaine est toujours en croissance vigoureuse et loin de ralentir aujourd'hui, estime qu'il faut que le marché commence à se préparer à l'idée que la Fed n'aura pas besoin de baisser ses taux en 2024. Ça tombe bien, il est d'accord avec toi. Non, mais c'est un narratif qui prend de la résonance. Et justement, c'est intéressant parce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi chez Groupama. Non, on a eu deux mois un peu difficiles. Hein. Novembre et surtout décembre. Et décembre était un mois un peu compliqué vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs et vis-à-vis de l'actionnaire. Oui, donc nous, on a cette vision de plus de croissance, plus d'inflation. Donc, depuis longtemps. Alors, qui s'appuie sur trois éléments principaux, hein, qui sont, un, la résilience du marché de l'emploi. Et donc, on va arriver, en effet, à des niveaux de palier, de désinflation, une fois qu'on a résolu les problèmes de chaîne de valeur, d'inflation des coûts liés à l'Ukraine & Co. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Et donc, de ce fait, nous, ce qu'on voit, c'est plutôt un niveau d'atterrissage de l'inflation qui sera au-dessus de 2% de façon assez tendancielle longue. Donc, de ce fait, ce qui va se passer, c'est que les marchés vont prendre un peu de temps à ce niveau d'atterrissage. Et ça, c'est clair. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a eu une récession industrielle, notamment aux États-Unis. Ouais, ça redémarre. Et donc, voilà. Et donc, nous, on anticipe un redémarrage américain qui, comme toujours, va entraîner un redémarrage européen et sans doute à la marche chinoise. Et le troisième point, c'est toujours des politiques budgétaires très expansionnistes, notamment via les grands plans d'investissement aux États-Unis. Et vous n'avez pas une entreprise européenne qui vous passe par le de l'IRA. Donc, ça ne peut pas dire que ce n'est pas des gros, gros impacts, notamment dans le secteur industriel. Et donc, de ce fait, on pense qu'on aura un moment, disons, de réalisation où on va passer, je crois qu'on était monté jusqu'à 5 baisses des taux. Oui, un bon 150 BP, donc 5-6, oui, c'est ça. Voilà. On descend. On démarrait l'année où on finissait 23, voilà. Avec 6 baisses de taux, à commencer par le mois de mars. On est à peu près à 33 et 4. Ouais, voilà. C'est ça. Et nous, on a 2. Et, ouais. Et Apollo à 0. Voilà. Et nous, alors, par contre, la différence. Et votre 2, vous dites, on l'a tenu. Non, parce que c'est ça que vous disiez. Ça a été difficile quand le marché s'est dit que ce serait 5-6 baisses de taux. On a un peu cédé, puisqu'à un moment, on voyait zéro baisse des taux en 2024. Voilà. Donc, voilà. Mais on en a. Finalement, le call que fait Thorsten Slock aujourd'hui, vous l'avez fait déjà, vous, oui, mais avant. Après, on a dit, bon, Powell ayant acté du fait qu'il allait baisser les taux, ça me semblait difficile de ne pas baisser. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, on voyait une fenêtre d'opportunité. Justement, en début d'année, là, entre mars et août, et après, c'est plus compliqué, sans doute. Voilà. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que vous rentrez dans un agenda politique, parce que si l'inflation est résiliente, bon ben, vous serez. Donc si c'est pas juin, il reste juillet derrière, voire septembre, et après c'est compliqué, quoi. Après, sera et même septembre, c'est peut-être déjà compliqué. À voir, hein, mais. Comment on réfléchit à ce scénario? C'est le narratif qui monte aujourd'hui, il faut le dire, Olivier. Moi, je serais un peu plus prudent quand même. Parce qu'en début d'année, on vient de le dire, on attendait entre 6 et 7 baisses des taux. Et on s'était même dit sur ce plateau que ça ne pouvait pas arriver. En gros, soit il y avait une récession et il y aurait plutôt 200-250 points de base de baisse des taux, donc plutôt 8 ou 10. Soit il n'y avait pas de récession et il y avait 2 ou 3 baisses des taux. Et pourquoi on dit 2 ou 3 baisses des taux? C'est parce que c'est ce que nous dit la Fed, en fait. Et dans ses dernières réunions et dans les dernières minutes qu'on a, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on a. Donc, pour que ce soit zéro, il faudrait vraiment que la croissance surprenne à la hausse. Alors,
Il y a des brokers qui n'arrêtent pas de réviser à la hausse la croissance américaine. Hein. Goldman, le dernier, maintenant, c'est 3% pour 2024. Hein. Donc, on était à 1 plus en fin d'année. Le consensus était à 1 plus, mais 1, 2, 1, 3, eux étaient toujours plus positifs que la moyenne. Mais là, ils sont passés à 3%. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le dernier kilomètre de la baisse des taux, de la baisse de l'inflation, pardon, et qu'on voit que c'est toujours ce dernier extra miles qui est difficile à faire. Mais après, je pense que, et Pierre-Alexis le disait à l'instant, à cause du scénario politique, c'est quand même difficile de ne pas envisager au moins deux baisses des taux pendant l'été. Sinon après, vous êtes un peu collé jusqu'à la fin de l'année. C'est et décembre, ce sera... après. Exactement. Ouais. Et ce sera un petit peu délicat pour la Fed. Donc moi, je reste plutôt dans le scénario qui est plus ou moins anticipé par le marché autour de trois baisses de taux. Bon. À commencer par le mois de juin. Le marché reste positionné sur cette idée d'ailleurs aujourd'hui, Cyriac, mais quand vous regardez un peu la balance globale des risques macro pour les US, est-ce que il y a toujours un risque d'avoir un peu plus de croissance et un peu plus d'inflation? Je pense qu'il faut percevoir le sujet différemment, dans le sens où le vrai risque pour moi, c'est l'inflation. C'est-à-dire que si on n'a pas de baisse de taux parce que finalement l'activité tient bien et que l'inflation, bon an mal an, reste à peu près sur les niveaux actuels. Bon, certes, on n'est pas sur les 2%, mais je pense que ça ira à peu près à tout le monde, sachant que nous, on est plutôt dans le camp de dire 3 baisses de taux ou 2. En fait, c'est un débat qui est très technique et je trouve que finalement, le marché ne va pas surréagir de mon point de vue que ce soit 2 ou 3. Par contre, si c'est 0, c'est un autre problème. Mais je pense que si c'est 0 parce que finalement l'inflation repart, là, on a un vrai risque, parce que tout le monde est prêt à l'envers. Les banques centrales, les investisseurs. Attends. Et là, c'est cataclysmique. On peut avoir un 2022 bis, parce que ce n'est pas du tout ce qui est anticipé. Si à l'inverse, c'est juste que l'inflation, elle ne baisse pas assez, parce qu'en effet, le dernier kilomètre est trop compliqué, mais que l'activité tient bien et que la Fed se dit « j'ai pas besoin de me précipiter » et que l'ensemble du système économique américain est globalement stable, enfin tiens, à ce moment-là, je trouve que ce n'est pas du tout la même histoire. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut différencier. C'est-à-dire que pas de baisse de taux si c'est parce que l'inflation repart, là, c'est la catastrophe. Pas de baisse de taux parce que l'économie va trop bien. Bon, là, c'est une autre histoire. Il y a un cas où c'est positif, actif, risqué, et un cas où ça l'est beaucoup moins. Alors, il y a un cas où c'est très négatif, clairement. Et il y a un cas où on peut débattre de savoir si finalement le marché. Mais comme il a repricé, on est quand même passé de 6 baisses de taux à 3 baisses de taux. Les actions américaines, à ce que j'ai vu depuis le début de l'année, elles n'ont pas baissé de 10%. Non, elles sont au sommet, oui. Donc, il y a quand même d'autres sujets, on va y revenir, sur les résultats des entreprises. Donc, il y a d'autres éléments qui peuvent jouer sur le comportement des actions, j'ai envie de dire, parce que actifs risqués, par exemple, le crédit à yield, lui, ça sera beaucoup plus compliqué si finalement il y a un repricing sur la courbe de taux. Mais les actions en tant que telles, on voit qu'il y a d'autres déterminants qui peuvent jouer. Donc, ce n'est pas si simple de dire pas de baisse de taux. Néanmoins, moi, je pense que l'économie américaine, elle a superbement tenu en 2023. Et s'il y a une surprise au niveau économique, qu'on peut tous le reconnaître, c'est les États-Unis. Mais si vous regardez la dynamique, je ne pense pas qu'on peut avoir un 2024 comme un 2023. On a quelques indicateurs qui montrent un début de ralentissement, un ralentissement sur des niveaux très élevés. Mais je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent, enfin, je trouve que le 3% de Goldman est un peu exagéré. On passe d'un extrême à l'autre, quoi. C'est souvent les marchés sont comme ça. Bien sûr. Mais je pense que les États-Unis vont plutôt avoir une croissance entre 1 et 2 et que finalement tout ça sera assez cohérent par rapport à ce que nous dit, encore une fois, ce qu'on disait, la Fed fait référence et ce que le scénario de la Fed me semble assez cohérent par rapport à toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Ouais. Bon. Les chiffres d'inflation qu'on a eus, là, alors il y a eu le corps PCE américain hier, on a les estimations en zone euro. Ça n'a pas fait bondir le marché, ça n'a pas choqué le marché ou les investisseurs, même si ici et là, on constate quand même que le rythme de désinflation ralentit peut-être un peu, Pierre-Alexis. C'est le chiffre d'avant qui a surpris. Là, chiffre-là, le marché ayant acté qu'on aura une désinflation plus lente. Donc ça je ne pense pas que c'est une remise en cause. Par contre, en effet, ce que vous disiez, c'est que ce qu'il ne faut pas du tout, c'est qu'on passe d'un scénario de baisse des taux à un scénario de hausse des taux. Larry Summers, bon, je cite les grands gourous de Wall Street, mais il faut bien. Mi-février, il dit que c'est de plus en plus probable que le prochain mouvement de la réserve fédérale américaine ne soit pas une baisse, mais une hausse. Voilà. Donc voilà. Puis, il est encore plus en avant que. Les marchés, les gens sont ouais. Les investisseurs ne sont pas du tout pondérés là-dessus. Déjà, il y a un long consensuel taux. Qui ferait paniquer, hein. Ça c'est évident, et donc là on aurait des inversions de position
qui pourrait être assez pénible. Voilà. Le point, c'est, et ça c'est assez technique, c'est combien. Voilà. Mais tant qu'on est dans une dynamique où le marché dit on a passé le pic et le prochain mouvement est une baisse de politique monétaire, et le prochain mouvement est une baisse, ça va. Et si on est dans une vision plus de croissance, plus d'inflation, pour les actifs actions, en effet, de toute façon, le déterminant premier, croissance. C'est la croissance. Ouais. Parce que s'il y avait... Sinon, le Japon serait depuis longtemps à 39 000 points. Hein, parce que l'inflation, ils n'en ont jamais eu. Hein. Voilà. Donc, c'est la croissance. Donc, s'il y a de la croissance, on aura un peu de la volatilité, des multiples qui baissent, des multiples qui montent et autres. Et on pourra avoir un petit peu de changement de leadership ou en tout cas des mouvements sur différents segments. Mais c'est pas ça. Nous, notre vision fondamentale, c'est que 23, ça a été un rip pricing de multiples, 24, il faut qu'il y ait un peu de croissance de bénéficiaires, sinon ça va coincer sur les actifs actions notamment. Bon, c'est ce qu'on a observé là, on termine la saison de publication de résultats, Olivier. Il n'y a pas eu de déception majeure au global. Il n'y a pas eu de déception majeure, mais il faut un peu gratter sous la surface. Ouais. Quand on regarde par exemple le S&P, la publication du dernier trimestre de 2023, en gros c'est plus 8. Ouais. Pour l'instant, il y a quoi, 90% des boîtes qu'on publié. Mais ce plus 8, en fait, il y a plus 56% des Magnificent 7 et moins 2 du reste. Hein. Donc il faut quand même faire un peu attention à la dynamique de BPA. Et ce qui est vrai, c'est que l'Europe paraît moins belle avec on doit être à moins 10, moins 11 en séquentiel. Mais bon, il y a quand même des raisons pour lesquelles les États-Unis ont fait mieux, c'est cette concentration dont vous parliez tout à l'heure. Et moi, ce qui me... Qui commence par une concentration des profits. Hein. On parlera peut-être de la performance et du poids dans les indices, mais la première concentration, c'est la bulle de profit ou la concentration des profits. Quoi. Mais donc, pour revenir sur ce que disait Pierre-Alexis, si l'inflation est un peu plus collante, c'est plutôt bon pour les BPA, ça. Hein. Une inflation entre 2,5 et 3, c'est le sweet spot de la croissance de BPA. Au-dessus de 3,5, c'est destructeur parce qu'on sait que les banques centrales vont réagir, casser l'économie. Mais la croissance de BPA, son sweet spot, c'est entre 2,5 et 3% aux États-Unis. En Europe, c'est moins clair puisque les compositions des indices ont tellement changé que c'est difficile à dire. Mais c'est ça pour les États-Unis. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est quand même on a eu un repricing du marché obligataire assez net. Hein. On a pris 50 BP en gros sur les 10 ans. Mais pour revenir sur ce que disait Cyriac, ce 50 BP de hausse, il n'est pas du tout dû à une peur de l'inflation qui baisserait plus lentement ou qui reviendrait. Il est dû à une meilleure croissance anticipée par les marchés obligataires. Et si vous regardez les break-even, d'inflation, on a le 2,3. Marché n'a pas changé d'idée par rapport à ça. Break-even d'inflation, on a 2,3. Sur les 30 dernières années, on avait à 2,2 en moyenne. Donc le marché pense que les banques centrales ont gagné ou vont gagner. Après, comment ça va s'exprimer dans le résultat des entreprises, c'est sûr que c'est la top line et donc la croissance réelle qui va nous le dire. Mais moi, je pense que les banques centrales et le marché peut très bien s'accommoder d'une inflation entre 2,5 et 3. Oui, avec la croissance qui va avec, etc. Ça fait une croissance nominale quand même autour de 5, peut-être, pour les États-Unis. Et donc, les BPA, un peu de leverage, d'efficacité opérationnelle, et ça fait 10% de croissance de BPA. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez, sur le plan un peu global macro, effectivement, des résultats d'entreprise, là, la livraison du quatrième trimestre, Syria, qu'est-ce que ça justifie que le marché action ait pu continuer sa course quand le marché obligataire était un peu stoppé dans son élan après un rallye de fin d'année qui avait été déjà important, hein, quand même. Alors, oui, parce que finalement, tout ça est assez cohérent. Déjà, il faut regarder les surprises. Je pense que quand on regarde la bourse, si vous regardez juste les données telles quelles, vous ne comprenez pas grand-chose. Et on peut être étonné que l'Europe ait finalement bien performé depuis le début de l'année avec des BPA qui ont quand même baissé. Hein. On est alors moins 7, moins 10 en fonction de l'indice que vous regardez. Mais comme on attendait pire, finalement, l'Europe s'en sort pas si mal. Aux États-Unis, on est tellement habitué à avoir des bonnes surprises, mais encore une fois, si vous regardez par rapport à l'historique, les bonnes surprises, elles ont été encore un peu plus fortes que d'habitude. Et on va sortir à quasiment 10% de croissance de bénéfices. Donc c'est quand même, 10%, on est quand même plutôt... C'est solide. On est solide, voilà, exactement, avec des bonnes surprises. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Puis il y a une sorte d'effet magique, hein, on en parlait, mais c'est tout ce qui est intelligence artificielle, ce truc-là. Dès que c'est dans une news, quelque chose, ça surprise, ça réagit très fortement. Alors ce qui est quand même intéressant, je trouve, on va prendre le cas de Nvidia, qui est le plus symbolique, c'est que si vous regardez la boîte, aujourd'hui,
avec les résultats qui sont sortis, vous la payez moins cher aujourd'hui qu'il y a un an. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait... Enfin, quand je dis magique, j'exagère un peu, parce qu'il y a des boîtes, et en particulier Nvidia, qui trustent quand même tout ce mouvement-là. Bah, aujourd'hui, avec des résultats qui sont quand même stratosphériques, permet que cette revalorisation, en fait, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on paye moins cher Nvidia aujourd'hui qu'il y a un an. Alors, c'est pas vrai pour toutes les boîtes techno, c'est pas vrai pour toutes les sets magnifiques, mais cette boîte qui est la plus symboliquement engagée sur tout ce qui est intelligence artificielle, elle n'est pas dans ce phénomène un peu de bulle que certains pourraient croire. Et je rajouterais que si vous regardez le S&P hors les sets magnifiques, bah vous avez un PE qui est en dessous de la moyenne historique. Et si vous regardez uniquement les sets magnifiques, certes, c'est cher, mais c'est cher par rapport à... C'est à moins de 30, hein. Exactement. C'est cher, mais finalement... Non, mais... Bah, oui, mais pour des boîtes de, croissance... Oui, mais... Pour des boîtes de croissance... Ouais. Et si vous regardez par rapport... Comparé à Blue Call, si on compare à... j'enlève Kering, mais si on compare à L'Oréal, LVMH, Hermès... Hermès, c'est plus de 30, hein, donc... Oui, c'est ça, voilà. Ça toutes ces boîtes sont à plus de 30 de paix. Bon, c'est pas les mêmes franchises, etc., hein, mais... Et c'est ça qui est une spécificité aussi américaine, et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de bulle, parce que, contrairement à 2000, et on l'a souvent dit sur ce plateau, mais en 2000, on achetait des boîtes qui faisaient pas de résultats. Là, c'est pas du tout la même histoire. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez acheter les futurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut acheter aux États-Unis, il faut acheter... Enfin, c'est malheureusement pas nos boîtes à nous en Europe qui sont exposées à ça. Et donc, les Américains ont une sorte de prime qui peut justifier. Donc, tout ça pour dire que je trouve que la vraie bonne surprise du début d'année, c'est les résultats des entreprises qui, de nouveau, justifient cette hausse qu'on constate et qui semble se poursuivre début mars. Et pourquoi est-ce que le marché considère que Nvidia, ça vaut toujours 25 ou 28 de PE, enfin, je ne sais pas combien on est sur Nvidia, mais le marché ne veut pas appliquer un multiple plus élevé que ça à Nvidia aujourd'hui. Une boîte qui a pris 250% et un moment donné... Mais rationnellement, Est-ce que ça veut dire que le marché s'interroge déjà sur le futur d'Nvidia et pense déjà à un moment sur capacité, commoditisation, etc. Est-ce qu'il y a déjà dans le fait que le PE se tienne à ce niveau-là, est-ce que ça veut déjà dire que le marché est dans cette logique-là? C'est la marge qui est mise en question par la valorisation. 76% de marge brute. 76% de marge brute. Le marché sait que c'est invenable. On sait que le sac à main qui va disrupter le sac Hermès, il est quand même pas, il va pas venir dans les trois années qui viennent, alors que des GPU, bon, il y a des gens qui vont finir par savoir en faire, avec tout l'argent qui est dedans. Donc c'est plus le pricing qui, à mon avis, dans le 25-27 fois les 2025. C'est ça qui n'est pas payé par le marché. C'est-à-dire une marge pareille, c'est pas soutenable à horizon 10 ans. Oui, mais ça veut dire que le marché s'aveugle pas Il est assez rationnel, je suis d'accord. La valo est pas exubérante, c'est plutôt rationnel. Bon, alors c'est cher ou c'est pas cher, Pierre-Alexis? Puisque je vous ai vu tilter quand j'ai dit qu'à 30, c'était pas cher. Non, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce soit les plus S&P grosses... Le S&P est à 20, c'est ça? C'est 20 PE à peu près au global? 21 peut-être pour le S&P. Il y a assez que ce soit les plus grosses boîtes du monde qui soient à des PE de 30. C'est-à-dire que le monde est encore un monde fini. Et donc, c'est quand même des gros business. Et pour valoriser 10% pendant 30 ans et autres, ça veut dire qu'à terme, vous faites quand même beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires. Et vous vous dites qu'est-ce qui va rester pour les autres. Hein. Voilà, donc c'est surtout ça qui est exceptionnel. Par contre, moi, je suis tout à fait en phase. Hein, pour information, donc, entre 2010 et 2024, les bénéfices de ces 7 magnifiques, c'est x10. Oui. La part des profits ce trimestre des 7 magnifiques, c'est 25% des profits de toutes les boîtes américaines. La part dans les indices, c'est entre 28 et 30. C'est ça. On n'est pas du tout... Il y a une cohérence. C'est pas du tout la bulle Internet. Hein. Voilà, c'est juste, pour moi, le constat d'un contexte où on est dans un monde où winner takes all. Et ça pose d'autres problèmes à moyen terme qui est, voilà, on a besoin de concurrence à un moment ou un autre. Mais c'est vrai que Nvidia, comme on le disait très justement, à un moment, aujourd'hui, ça cristallise tout l'IA. Mais ça va se diffuser. C'est-à-dire qu'AMD est en train d'arriver, ils vont sans doute produire des GPU, on va avoir sans doute Intel qui va finir par trouver des choses. Et donc, à un moment ou un autre, il y aura un phénomène toujours d'atterrissage de Nvidia qui va sans doute à un moment monter un peu trop et rebaisser comme on l'a vu, mais c'est pas pour ça que l'IA derrière, ce sera juste le signal qu'elle se diffuse dans d'autres acteurs. Et là, voilà. Et c'est là où c'est un petit peu en...
peut-être exubérant, c'est qu'aujourd'hui, tout se fait sur Nvidia. C'est-à-dire que c'est au centre du monde, un peu comme à la grande époque d'Apple. Oui, bien sûr. C'est le métronome de la planète marché. C'était les résultats d'Apple autrefois. Peut-être un peu d'exubérance, voilà, où il y a sans doute trop de choses autour de cette valeur-là. Mais sinon, le phénomène, il est assez justifié et assez cohérent par rapport aux performances opérationnelles de ces boîtes. Hein. Je sais pas si on a le graphique, parce que je voulais le passer hier ou avant-hier, mais sur ces phénomènes de concentration au sein des indices, je parle bien du poids des valeurs. Le top 10 américain, c'est 30% du S&P 500 aujourd'hui. Enfin voilà, les 7 magnifiques, plus 2, 3 autres, c'est 30% du S&P. Si je prends l'indice français parisien CAC 40, le top 10, c'est plus de la moitié. C'est-à-dire que, je ne dis pas que je bats en brèche des idées reçues, voilà, on a le graphique, super, Pauline peut nous l'afficher, jusqu'au marché coréen, où on voit que Samsung, la single stock Samsung représente plus de 30% de l'indice. En fait, on s'aperçoit avec ces mesures-là, donc on prend le poids de la plus grosse valeur, les 3 plus grosses et les 10 plus grosses, bah en fait, le marché américain n'est pas du tout concentré par rapport au marché européen, par exemple. Oui, mais je me sentirais plus en sécurité avec le marché européen. Ah. Parce que cette concentration... C'est plus granolas ou Super 7. Parce que la concentration américaine, elle est exclusivement sur la tech. Enfin, si on dit que Tesla est une boîte de tech. Ce qui est quand même très différent des granolas ou... Alors, les Super 7, c'est marrant parce que c'est... En gros, vous prenez les granolas, vous enlevez ce qui n'a pas monté et vous rajoutez deux boîtes de c'est luxe. City. Les Super 7, c'est City. On rajoute Ferrari et... C'est un peu bon. Donc, je dis, j'en donne quelques-uns. C'est Novo Nordisk, évidemment, ASML, LVMH, SAP, alors City, Mechneider, Goldman Sachs le met pas, il y a Nestlé chez et Goldman, Ferrari chez City, L'Oréal, et chez City il y a Ferrari et Richemont, en Suisse également, et puis pour Goldman, les granolas, il y a aussi du LVMH, SAP, bien sûr, et puis bon, oui, ils ont du Sanofi Mais ce que je veux dire, c'est que... ça date de 2020, les granolas de Goldman aussi. Je trouve que cette concentration là, effectivement, elle est très importante dans tous les marchés, mais elle est quand même beaucoup plus diversifiée dans les marchés hors États-Unis. Et finalement, on en revient toujours à la même conclusion. Hein, le risque majeur pour les États-Unis et pour les Magnificent Seven, c'est un risque réglementaire. Ce n'est pas tellement un risque économique, ce n'est pas tellement un risque de disruption qui va arriver dans le trimestre qui vient. C'est qu'un jour, il y ait une assemblée américaine, un président qui décide qu'ils ont un monopole et qu'il faut les casser. Mais tant que ça n'arrivera pas, c'est difficile de déconcentrer le marché. Je le disais tout à l'heure, hein, croissance des bénéfices des Super Seven au dernier trimestre, même des Magnificent Seven, même avec Tesla, c'est plus 56%. Donc, Dire que le risque de régulation, c'est un jour, comme vous dites. Moi, je me souviens au début de l'administration Biden, il nomme, alors je n'ai plus son nom en tête, à la FTC, une superwoman qui a fait toutes ses classes sur le dossier Amazon, le cas Amazon, vous allez voir ce que vous allez voir. C'était un des risques du début du mandat Biden. Bon, évidemment, tout ça est oublié. Personne ne parle de casser ces entreprises qui sont en plein déploiement de dépenses d'investissement. Ils ont perdu des procès. Et puis surtout, ils bénéficient de la confrontation géopolitique avec les Chinois. C'est-à-dire que les États-Unis, en tant que superpuissance, n'ont pas intérêt à casser leur monopole maintenant. Ouais. Sur ces marchés actions, on me disait prime de risque aux États-Unis, sur les marchés actions, c'est quand même zéro, voire négatif. Et puis à l'autre bout du spectre, évidemment, il y a la Chine, où là, on a une prime de risque stratosphérique. Comment où est-ce que vous êtes à l'aise là, pour la partie actions aujourd'hui, Cyriac? Alors déjà sur les États-Unis, comme on vient de le dire, c'est cher à certains endroits, mais si vous regardez le Russell 2000, il est pas cher. Hein, donc il y a deux styles de gestion dont je suis content de pas, enfin je suis pas content avoir choisir. De pas être dessus, c'est les small cap et la Chine. Hein, c'est quand même deux, enfin les gérants de ces deux classes d'actifs, sous classes d'actifs, sont quand même dans un chemin de croix depuis 2 ans voire 3 ans. Hein, donc c'est très très compliqué. Donc c'est pas juste la Chine qui sous-performe. Si on regarde les small cap européennes depuis 3 ans, hein, vous avez en tendance, vous avez quand même quelque chose d'assez un bear market, un joli bear market. En relatif, ce qui est encore plus difficile, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vraiment monte pas, alors et quand le reste monte, et donc c'est très difficile. Pour répondre à votre question sur la Chine, globalement, moi je trouve que c'est compliqué dans le sens où on aurait eu envie d'avoir un raisonnement sur la Chine positif il y a un an et finalement ça n'a pas réussi. Mais il y a un moment donné, forcément, l'élastique il est tellement tendu que ça va repartir et ça va repartir fort. Et donc on le voit d'ailleurs depuis quelques jours. Depuis le début du mois de février, la Chine fait le mieux parmi les grands indices mondiaux. Hein.
Et je pense que l'argument, en fait, il n'est pas à chercher au niveau économique ou au niveau des résultats des entreprises chinoises qui sont loin d'être extraordinaires aujourd'hui. C'est à regarder du côté du politique chinois. C'est-à-dire que pendant, au cours de 2022-2023, on nous parlait de tout sauf d'économie. C'est-à-dire que globalement, il y a eu des problèmes, par exemple, sur les secteurs. Ils ont décidé de complètement rendre public, donc sortir complètement de la cote de certains secteurs comme l'éducation, des choses comme ça. Là, depuis 6 mois... Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une déclaration d'une autorité, voire du président chinois, qui nous parle de l'économie. L'économie est revenue. Et même des marchés. Et des marchés. Et même des marchés. Alors on est vraiment au stade orné. Et ça, c'est vraiment le game changer, je pense. C'est que les Chinois, finalement, se rendent compte que dans la confrontation globale qui est en train de s'organiser, d'avoir des bourses qui baissent de 10 ou 15% quand les actions américaines montent de 20 ou 25%, ça va quand même poser un problème. Et ça pose déjà un problème quand on voit le niveau d'investissement. Si on voit les investissements directs étrangers en Chine aujourd'hui, c'est une catastrophe. Zéro, plus rien. Et je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que les choses sont en train de changer. Donc je ne dis pas que c'est le call pour les 10 prochaines années. Mais tactiquement, il y a quelque chose à faire. Nous, on a la conviction. Ouais. Alors on a envie de le jouer, peut-être pas directement sur les actions chinoises, mais avec un MSCI émergent. Alors il faut avoir en tête que. Aujourd'hui, les actions chinoises, c'est environ 20% dans les MSCI émergents. Ouais. Quand il y a 5 ans, c'était 35%. Hein, ouais. Donc, il y a quand même un repricing, l'Inde est montée, enfin d'autres pays. Mais je trouve que le MSCI émergent, il a quand même beaucoup de vertus. Ça permet d'avoir une exposition chinoise qui n'est pas à zéro. Mmh. Mais globalement, les actions hors Chine émergentes, elles ne sont pas très chères non plus. Ouais. Et donc, je trouve que le MSCI émergent, c'est un bon call aujourd'hui dans une logique tactique. Je ne dis pas à horizon 10 ans, mais à horizon 1 an, pour finalement jouer une surperformance des pays émergents contre les pays développés, un peu de manière tactique. Et en termes de tactique ou de diversification, vous préférez ce MSCI émergent aujourd'hui à des indices small cap ? Oui. D'accord. Parce que, tout simplement, sur les small cap, les arguments sont quasiment les mêmes. Hein. D'ailleurs, enfin, le côté valorisation, il va dans le même sens. Mais je ne vois pas le catalyseur. Et je trouve que l'IA prend tellement la place aujourd'hui. Alors, peut-être qu'à un moment donné, les choses sont changées. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et les small cap ont beau sortir des résultats. Bon, en plus, ils ne sont pas dingues. Mais voilà, il faudrait vraiment qu'elles sortent des super résultats. Mmh. Et pour ça, on va revenir un peu sur la macro. En tout cas, en zone euro, qui est la partie small cap que je connais le mieux, il nous faut un peu de croissance. C'est-à-dire que les small cap, elles ont besoin d'avoir un peu de croissance pour repartir, en particulier tout ce qui est industriel. Et tant que l'Allemagne ne repart pas, et ce n'est pas forcément la situation aujourd'hui, je trouve qu'en termes de timing, ce n'est pas le moment où j'ai envie de me remettre long small cap. On m'a montré qu'il y avait une corrélation quand même très directe entre le niveau des taux et les small cap aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un peu sans baisse de taux, pas de salut pour le marché des small cap, et ça reboucle un peu avec le début de la discussion. On se disait, tiens, est-ce qu'on ne va pas effacer encore quelques baisses de taux cette année en 2024 ? Oui. Alors, sur les actions, hein. Sur les actions small, chinoises ou autres. On en parlait, il y a un risque de concentration. Et donc un des moyens quand même d'atténuer ce risque de concentration quand vous êtes un gérant action. Alors c'est vrai que là vous avez deux mondes, la vue d'un gérant allocataire qui est il y a la vue d'un gérant action qui n'a pas forcément les mêmes leviers de construction de portefeuille manœuvre. Et là nous on considère que après en effet ce fort repricing et le fait que on considère quand même qu'on a atteint le pic des taux et qu'on devrait quand même avoir deux baisses de taux cette année. Ça commence à être intéressant, justement, de diversifier ce risque de concentration, que ce soit en Europe et surtout aux États-Unis, parce que vous avez le même raisonnement aux États-Unis, en achetant des small caps, sachant que les small caps sont toujours pris comme une espèce de classe d'actifs unique, alors que vous avez 8800 valeurs dedans, après, avec des disparités, mais qui sont. Voilà, vous avez des boîtes qui. Il y a tout et son contraire. Des fallen angels, des voilà. Oui. Et donc là, l'idée est plutôt d'acheter de la diversification qui nous semble un peu clé. Nous, on n'aime pas quand même des marchés où vous avez une trop forte concentration parce que voilà, même si ça, c'est le signe d'une performance exceptionnelle, voilà, derrière, on sait toujours qu'on peut avoir des phénomènes d'exubérance, on peut avoir des retournements de marché avec des violences en termes de cours qui peuvent être assez forts. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, quand vous regardez les flux, il n'y a que des flux sur les technologies américaines aujourd'hui. Hein. Donc attention, si ça se retourne, on ne sait jamais. Voilà, donc ça nous semble intéressant, mais en étant en effet encore sélectif et en privilégiant, en effet, alors surtout en Europe, les sociétés qui arrivent à vous sortir de la croissance. Ça, c'est évident. Mais donc on serait un peu sur. On cherche le même profil
de sociétés. Mais avec une taille un peu. Mais avec une taille un peu moins forte et qui ont perdu un peu en pricing, soit parce qu'ils ont été des Covid winners et ils sont devenus des losers, mais là on commence à avoir un peu plus de normalisation devant, soit parce que en effet ils sont sur des technologies intéressantes à moyen long terme. Le Russell a bien fait, je crois, cette semaine, Russell 2000 aux États-Unis. Alors évidemment, l'idée n'est pas du tout d'être absent de la tech après tout ce qu'on vient de dire, donc il faut être exposé à la tech. Déjà, de quelle manière est-ce que, au-delà d'NVIDIA, des semi-conducteurs, est-ce qu'il y a quand même d'autres domaines dans la technologie là, qui sont intéressants, liés au thème de l'IA ou pas forcément d'ailleurs? Et comment on se diversifie aussi de ce segment technologique, Olivier? Pour se diversifier, je pense que les small et mid-cap, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Essentiellement, parce qu'il n'y a plus de flux sortants. Alors, il n'y a pas encore de flux entrants, malheureusement, mais il n'y a plus de flux sortants. On a quand même, pendant 3 ans, eu, mois après mois, des sorties dans les fonds de small et mid-cap. Et on sait que, pour ce type de valeur, les flux, c'est quand même une des explications de la performance. Vous parliez de la corrélation entre les taux et la performance relative des small et mid cap. Bah c'est sûr que si les baisses de taux sont retardées, ça retarde le démarrage des small et mid cap. Mais il y a une autre corrélation qui est très intéressante, c'est qu'historiquement, la performance des small et mid cap est très corrélée à la performance du high yield. Parce que ce sont, on va dire, des actifs de liquidité marginale, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de liquidité sur le marché qui cherche de la diversification, justement, on va chercher des small et mid cap. Et là, il y a une divergence historique qu'on a rarement vue. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne performance du high yield par rapport au point bas d'octobre. On a quasiment comprimé de 150 points de base, sur le crossover, alors qu'on a regagné un peu de valeur relative sur les small et mid cap, parce qu'on a quand même fait d'octobre jusqu'à décembre, c'était à peu près correct en performance relative. Et ça, quand même, il y a quelqu'un qui a tort. Hein. C'est soit le high yield est trop confiant, soit le rattrapage des small et mid cap va arriver. Je ne vous cacherai pas que je penche pour la deuxième option. Ouais, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on aime bien les valeurs de tech parce qu'elles sont cash riches et que quand les taux sont positifs et raison de plus encore s'y mettre du temps à baisser, la trésor, c'est mine de rien assez intéressant. Et je pense que pour se diversifier, on peut continuer à investir sur des sociétés qui ont des trésors pléthoriques. Et ce qui est sympathique, c'est que là, vous pouvez aller voir des secteurs auxquels on n'aurait jamais pensé. L'automobile, par exemple. Vous avez vu les résultats de Stellantis, 45 milliards de liquidités. Quoi, 3 milliards de rachats d'actions? 3 milliards de rachats d'actions. Vous avez vu Volkswagen. J'aurais imaginé il y a encore 2 ans que Stellantis allait faire des rachats d'actions à hauteur de 3 milliards. Volkswagen qui vient de publier, de faire une indication des ventes cet après-midi, pas terrible, 60 milliards de liquidités. C'est des niveaux que ce type de secteur n'a jamais connu. Et en plus, si on est dans un scénario où on se dit que la croissance 2024 va être moins mauvaise ou meilleure que ce à quoi on s'attendait, vous payez Stellantis 3,8, 4 fois les résultats. Ouais. Bon, c'est une diversification qui paraît assez sécurisante en cas de retournement de marché. C'est un argument qui peut, j'allais dire, qui peut transpercer l'enclume de Damoclès du véhicule électrique chinois qui va tout un prix. Je pense que tactiquement, c'est en tout cas pour diversifier les portefeuilles et couvrir un peu, ça peut être utilisé. Mais ce qui est vrai quand même, c'est si vous regardez en gros des paniers momentum contre des paniers à l'inverse, ça, tout ce qui monte continue à monter et tout ce qui ne montait pas continue à ne pas monter. Donc ça, c'est difficile quand on est gérant actif de prendre des mesures de diversification. Et puis le troisième pilier de diversification, ça reste l'obligataire corporate. Même si on parlait de 50 points de base de hausse des taux sur les 10 ans gouvernementaux, si vous êtes en crédit depuis le début de l'année, vous êtes flat avec un taux de rendement qui a rechargé d'une quarantaine de BP. Vous avez fait un très bon dernier trimestre 2023. Et là, bon, vous êtes début mars, vous avez fait zéro depuis le début de l'année ou légèrement positif, mais vous avez engrangé de la performance future. Sur la partie crédit, où est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui, Syriac? Est-ce que c'est l'idée, effectivement, chaque petite correction est un point de rentrée ou de rechargement pour des investisseurs aujourd'hui? On achète les creux ou les petits écartements qu'on peut observer sur ces marchés de crédit? Oui, alors les écartements, on n'en a pas eu beaucoup. Depuis octobre dernier, non. C'est intéressant parce que quelqu'un qui attendait un petit écartement, il n'a pas profité. Ah bah non. Et la grosse différence du crédit, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les actions, il y a quand même du dividende, mais sur du crédit, en particulier le high beta, donc j'inclus le high yield ou les subordonnées bancaires,
Vous êtes payé pour attendre et vous êtes quand même aujourd'hui bien payé, en tout cas si vous faites en relatif des 10 dernières années. Mmh. On sort du 7-8 aujourd'hui, alors du 6-8 on va dire si on veut être un peu conservateur, avec une sensibilité alors de 3-3,5. Et donc pour moi ça reste une the place to be aujourd'hui. C'est un sweet spot. C'est vraiment une classe d'actifs qui est très sympa. C'est un risk reward dans les grandes classes d'actifs, c'est là où on est. On est surexposé crédit, high yield et subordonné parce qu'on considère que finalement, et c'est important dans la macro ce qu'on vient de dire, c'est que l'avocat d'entre nous, en tout cas aujourd'hui, parle de quelque chose de terrible, une récession qui va arriver, quelque chose sur 2024. Donc si ça se passe pas, si toute chose égale par ailleurs, à la fin de l'année, vous retrouvez entre 6 et 8% si vos spreads sont stables et si vos taux, je ne pense pas, vont fortement monter. Donc, je trouve que le crédit, ça a vraiment une vertu dans des fonds d'allocation. Et c'est vraiment le retour aussi, globalement, des fonds d'allocation, de l'allocation diversifiée. Puisque pendant, pour le coup, on parlait du émergent, enfin Chine et small cap, qui pendant des années, enfin 3 dernières années, ont une vie compliquée. Bah, les gérants diversifiés, au cours des 10 dernières années, ont une vie très compliquée, puisque leur partie monétaire et obligataire, ils ne rémunéraient pas. Là, le monde a changé en 2022. Alors, ça a été violent, mais il a changé. Et aujourd'hui, on peut avoir une poche d'obligataires qui va, pour 50% de votre portefeuille, rémunérer entre 5 et 6%. Donc ça, c'est très sympathique. Ah, c'est très confortable. Et c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, il faut garder dans les portefeuilles et ça va durer. Donc ça, c'est vraiment un game changer parce que les taux ne vont pas redescendre à 2 ou 3 très rapidement sur le crédit, hein, j'entends. Dans le contexte, Pierre-Alexis, et on n'en parle jamais, donc je voudrais bien en parler, est-ce que les convertibles présentent un intérêt particulier dans ce schéma de marché, de ce contexte de marché aujourd'hui, capter un peu de rendement, avoir une option quand même sur la performance action, est-ce que c'est quelque chose là qui... On a rechargé les piliers de performance, que ce soit sur la partie taux, que ce soit sur la partie crédit, que ce soit sur la partie action et que ce soit sur la partie plus technique qu'on appelle volatilité, c'est-à-dire la façon dont on valorise la convertible, est-ce qu'elle est à sur ou sous cote par rapport à l'option sous-jacente. Bon, c'est un peu technique, mais donc là, en effet, historiquement, c'est un très bon timing sur les convertibles, puisque c'est en rendement risque, hein, c'est une très belle classe d'actifs qui est assez proche de celle que vous pouvez avoir sur le crédit ou sur le high yield sur très longue période. Donc c'est clairement, en général, des très bons timings. Le point aujourd'hui sur la partie européenne, c'est pour que la classe d'actifs performe, il faut un peu de primaire. Et pour l'instant, on manque de primaire en Europe. Et ça, c'est donc tant qu'on n'a pas de primaire en Europe, donc on conseille plutôt de faire du convertible global, puisque là, le primaire aux États-Unis est là. Et donc, mais au-delà du manque de primaire, vous dites, c'est quand même un actif, une classe d'actifs qui correspond bien aux enjeux du moment. Le problème que vous avez, c'est que c'était un gisement qui est très spécifique, c'est un gisement small cap non rété. Donc s'il ne se renouvelle pas, ce gisement, Vous pouvez avoir en effet des phénomènes où vous vous retrouvez coincé dans des secteurs qui sont complexes. En Europe, on a tout le secteur du food delivery, par exemple, qui est un gros secteur. D'émetteurs de convertibles Qui est un gros émetteur de convertibles. Les business models ne sont encore pas complètement là. Hein. Oui. Alors qu'aux États-Unis, vous avez, le mois dernier, c'est 9 milliards d'émissions sur le marché américain. Des taux plus haut, avec des besoins de refinancement plus importants, donc on a une capacité de régénérer les portefeuilles bien meilleurs. Donc nous on trouve que c'est intéressant, mais on pousse beaucoup plus les convertibles globales que les convertibles européennes aujourd'hui. Bon, j'avais une dernière question. Pourquoi les matières premières envoient un signal presque un peu contradictoire par rapport à ce qu'on décrit, d'un scénario de croissance, d'entreprises qui sont quand même encore en forme, etc. Il y a des explications. Les indices de matières premières sont quand même déprimés, quoi, pour le dire. Alors, ça dépend quelle matière première vous regardez. Hein. Oui, le cacao et le jus d'orange. Le cacao, c'est une chandelle qu'on a rarement vue. Hein, donc, l'an dernier, le trio de tête, c'était cacao, uranium et jus d'orange. Ouais. Je pense que là, quand même, on est un peu... Je parlais du momentum sur les actions depuis le début de l'année, qui était un peu difficile pour les gérants actifs. Je pense qu'on a exactement la même chose. On a quand même des marchés qui sont plutôt aux mains des CTA et des trend followers, enfin des suiveurs de tendance. Et là, quand vous voyez ce qui se passe, le cacao, ça, en gros, ça fait x4, hein, à peu près. Hein, et ça continue. Alors, là, ça consolide depuis 2-3 jours. Mais bon. Tout le monde panique. Mais je pense que le message, il est quand même que globalement, la croissance potentielle
même des États-Unis et de l'Europe, elle est, enfin, elle a baissé. On n'est plus à 3,5 aux US et on n'est plus à 2,5 en Europe et surtout en Chine. Les 5%, on va falloir les sortir. Ah ouais. Et ça, je pense que le marché des matières premières a un très gros doute. Structurellement. Un très gros doute sur, sur ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, et on en avait déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des ralentissements en Chine, on faisait un plan de relance et le plan de relance, c'était des infrastructures. On faisait des autoroutes, des aéroports, des chemins de fer. Et ça, c'est intense en matière première. Et là, on voit que tous les plans de relance, là, enfin, les baby plans de relance, c'est plutôt pour aider la consommation. Pour... C'est pas des choses qui sont très. Enfin, c'est des choses qui sont moins intenses, en tout cas, en matière première que par le passé. C'est peut-être une des explications. Bon, même si on voit là le pétrole qui rebondit aujourd'hui, effectivement, hein, j'ai vu que le WTI, oui, reprend d'ailleurs 3% là, au moment où... $80. $80 sur le WTI. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, Cyriaque Dayan, Sansoyes et Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management.